Les amis, bonjour, c'est Colette. Alors, un plat original, puisque c'est la première fois que je vous le propose. Elle a été proposée déjà sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai ici donc des arachides. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, des arachides. Ensuite, j'ai mis donc deux pots de lait concentré sucré, deux pots. Voilà, deux pots de lait concentré sucré. Ensuite, j'ai ajouté donc du lait en poudre. Du lait en poudre. Voilà, que j'ai mis. Et j'y ai mis également un peu de beurre. Voilà, comme ceci. C'est une recette à consommer avec modération. Pourquoi je dis ça? Même les gourmands pourront être surpris de l'effet. Donc, la recette a reçu énormément de commentaires sur les réseaux, des commentaires négatifs également, puisque les personnes qui n'étaient pas favorables à cette recette disaient qu'elle était calorique. Alors, j'ai compté moi-même. On a eu des chiffres un peu fantaisistes. La recette contient à peu près entre 3000 et 3500 calories, c'est-à-dire l'équivalent de la consommation de deux personnes par jour. Voilà. En tant qu'adulte, on peut aller jusqu'à 1500, 1500, 1700, mais 3500 c'est trop, c'est extrêmement sucré, comme je vous l'ai dit. Donc, alors, je reprends. Voilà, lait concentré sucré. Voilà. Voilà, lait en poudre. Lait en poudre. Voilà, avec du beurre. Et les arachides, bien entendu, les arachides, voilà, que vous pouvez trouver, voilà, que vous pouvez trouver un peu partout, voilà, les arachides que vous connaissez, voilà, j'ai acheté, voilà, comme ceci. J'espère que tout le monde se porte bien, moi ça va. Je suis très très contente de vous retrouver, c'est Colette. Voilà, je vais modifier là. Il y a une erreur. Ah, j'ai dit arachide. Voilà. Arachide. Arachide, lait concentré. Voilà. Voilà, c'est une recette qui est extrêmement calorique, hein, je tiens à le dire. Beaucoup de lait, voilà, des arachides, du beurre, etc. Voilà, voici ce que ça donne. C'est très très consistant, c'est très très riche, etc. Voilà. Mais elle a suscité ma curiosité. Ça faisait plusieurs jours que j'avais acheté les produits. Je me suis dit, je vais tester pour voir. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Donc, arachide.
les concentrés sucrés, beurre et lait en poudre. Voilà. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Moi, ça va. Donc, record de calories, 3000 à 3500 calories. C'est très calorique, je le répète. Vous pouvez la consommer, mais pas n'importe comment. Il faut... Voilà. Donc là voilà, je vais passer maintenant à la seconde étape. Voilà, coucou à tous. Je vais mettre maintenant le feu, très doux. Je vais voir maintenant ce que ça va donner. Mais très très doux. Je vais chauffer légèrement. Rappelle, 3000 à 3500 calories, les amis. Donc, arachides, lait concentré sucré, sucre en poudre et beurre. Voici donc ce que ça donne. C'est très calorique. Voilà, je remue bien, j'ai mis un peu le feu à feu doux. Voilà, je vais tester, c'est la première fois que je le fais. Voilà. Likez et commentez. Merci à tous. Je vais encore tester
Restez là un peu longtemps, quelques instants. Voilà, je pense que je vais arrêter parce que voilà, ça, voilà, je ne connais pas trop le. Voilà, hop. J'ai chauffé un tout petit peu. Voilà. Donc, je reprends arachide que vous pouvez trouver, voilà, arachide décortiqué, non salé de préférence. Mais si vous n'avez pas le non salé, vous pouvez prendre, voilà, ce que vous avez. Etc. Les concentrés sucrés. J'ai mis également du beurre et du lait en poudre. Voilà, c'est une recette, je le rappelle, qui est très calorique. Voilà, elle fait entre 3000 et 3500 calories, l'équivalent donc de la consommation journalière pour deux personnes. Donc, vous pouvez la garder pendant très longtemps. Vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de la manger le jour même. Voilà, je reprends donc les ingrédients. Voilà, arachide, lait concentré sucré. Je vais vous montrer encore les ingrédients ici. Voilà. Les concentrés sucrés. Voilà. Lait en poudre. Lait en poudre que vous trouvez partout. Le lait en poudre. Voilà. Et du beurre. Donc c'est très calorique. Voilà. 3000 à 3500 calories. Voilà. Alors, une fois que vous l'avez fait cuire, voilà, vous le passez, si vous voulez, donc, dans, vous le mettez, vous l'étendez un peu. Vous pouvez, donc, le mettre, si vous voulez, donc, dans le frigidaire. Je vais le mettre dans un frigidaire. Je prendrai quelques photos et je reviens, donc, vers vous. Voilà, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi, ça va.
Je suis très très contente donc de vous retrouver donc pour cette vidéo cuisine, un instant cuisine, une recette gourmande à consommer avec modération. Voilà. Je vous dis donc à très très bientôt les amis. Merci, au revoir. Voilà. Donc lait en poudre, beurre, voilà, du beurre, des arachides, du lait concentré et du lait en poudre. Voilà. Bon appétit à tous. Je vous dis donc à très très bientôt les amis. Voilà. À consommer donc avec modération, comme d'habitude. Je vous dis donc à tout à l'heure. Voilà pour d'autres publications et d'autres vidéos. Merci beaucoup. Bon appétit à tous. Et bon samedi. Merci. Au revoir. Voilà, bon appétit. Merci, merci, merci pour les likes. Merci beaucoup. Voilà, à mettre donc au frigidaire. Je le répète, à mettre au frigidaire. Vous coupez donc en morceaux, donc et vous pouvez consommer en plusieurs jours, voire en plusieurs semaines. Donc, total des calories. Alors, je vais le remettre ici. Total calories. Voilà. 3400 calories. Voilà. C'est assez, voilà. C'est assez fort et tout. Donc, vous pouvez consommer donc en plusieurs semaines. Voilà. Ne pas le consommer en une seule journée, bien entendu. Même, voilà. Parce que c'est très calorique. Il y a du beurre, il y a de l'huile, il y a beaucoup de sucre, etc. Donc, attention, surtout, vous savez, pour les personnes, qui ont tendance à faire, du diabète. Voilà. C'est une recette que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Merci, merci à tous. Bon appétit. Voilà. À très très bientôt les amis. Merci, au revoir. Bon appétit à tous.